par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même questionnable. On est qui sous liste, il met les 3 mois de ça, pouvoir choisir comme DCPA pour le bail. Résultat, parce que le bail dans DCPA, c'est en fait, on gagne pour réagir par rapport à l'ensemble de problèmes, la rue à guerre. Ça veut dire son manque de confiance que le président fait, pour le ministre fait, le ministre de justice a fait. Subitement, je mets ton monde qui n'a pas poursuivi, je mets le directeur général, je suis obligé de remplacer. Il y a deux bagailles. On dit. Soit on fait une faute grave, ou bien on est compétent, ou bien on va dans une stratégie, nouvelle stratégie que le directeur général a pas le supplier. C'est une là-dedans. Et moi-même, je me dis, c'est qui ça? Youn Nadeo. Mais on ne peut pas comprendre. Si on retire nos postes et puis on met tout dans l'autre, on ne pas mettre dans l'autre officiellement jusqu'à présent. Ça ne va pas comprendre. Et il faut une explication. Comme journaliste, sur cette question pertinente et sous cette décision, on avait dit. Que vous prenez la police là, on va dire c'est une décision stratégique, mais quand même, une décision, il faut une questionner. En tout cas, stratégico-politique. Stratégico-politique. Bon. Donc, ça c'est pour Berceau Soljo. Maintenant, on va aller dans Karl-Henri Boucher. C'est un nom que j'avais cité comme étant un homme techniquement avancé, mais pas oublié de dire nos bagailles. Et c'est comme si je m'avais dit, je te reproche un nec parce que le terrain l'on amené, tu es combattu. Nous, c'est le même dit ça. Et de monsieur, peut-être pas. Mais techniquement, monsieur Sonnet qui sont tête chargée, monsieur maîtrisé toute bagarre dans la police là. Monsieur n'a fait technologie, monsieur n'a drone, monsieur a fait opération, il avait dit drone en l'air, toute bagarre ça. Et monsieur, dans la question renseignement d'ailleurs, son signal, lui, là il mettait un nègre responsable renseignement, le plus important que le CPA. L'enseignement. Ça veut dire, pays en amène, monsieur qui a pour mission pour identifier problématique. Comme monsieur technologiquement, monsieur avancé, et proposer mode d'opération et tout, n'a qui tant, qui boit, qui lance, ou pas tête chargée. Donc, j'avais bien raison. Je me parler de Karl-Henri Boucher. Ok? Et puis l'autre bagage qui est, monsieur responsable coordination des directions départementaux, des directions départementales. Ça veut dire, monsieur, tout dédé honnête et monsieur responsable. Ça veut dire, monsieur, dans le mode d'opération à travers le pays, monsieur la donne. Ça veut dire, son équipe va travailler en commun accord avec le DCPA. Et toujours pour garder les monsieur. Je pense que son équipe extrêmement utile. Très utile. Et ça qui est important. Hein? Parce que si vous êtes monsieur le directeur général, monsieur va être responsable renseignement, parce que vous n'avez pas de compétences. Est-ce que vous comprenez? Et capacité monsieur pour monsieur réunir tout le monde, le directeur général, lui qui a fait une réunion, il ne peut pas faire ça. Donc, vous avez qui en place. Même gens. Nous devons évoquer l'efficacité de Normie Lamour à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ. C'est-à-dire, lorsqu'on compétence comme ça, un homme respecté, évidemment, critique pour comportement, etc., chacun est tapé à ma paille, mais qui avait donné des résultats, ou prendre, nous mettre dans la direction générale, et puis, le niveau de mon tel, qu'on pas satisfait, vous voulez aller, qu'on n'a pas voulu Washington peut-être pour la machine monter des sommes.
il y a une façon de mieux traiter les compétences. Puisqu'en fait, pas une presque académie encore, nous, qui jeunes policiers, qui ont roulé, les gars 3e, 4e, les gars pas d'information, et surtout pas une presque bourse d'études, bien qu'ils ont été étudiés à l'étranger. Donc, il y a une façon de traiter les compétences. Bon. Et Jean-Yves Muscadin, nommé responsable de l'académie, Paul Ménard, etc. Gounegou, comme ça, c'est là. Marc Justin, DCPA. Gounegou, mettez DCA. Beaucoup, elle, non, là. Regardez-vous, elle, non. Comment est-ce qu'il y a un article? Nouveau DCPA, oui. Gounegou, mettez Jean-Yves Muscadin, responsable de l'académie, Paul Ménard. Moi, je ne vais pas mettre la donne. Jean-Alex Pierre, lui, DCPA. Ok. Gounegou, mettez DCA. Vous retirez DCA, tu es là. Monsieur, Marco. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là, tu es là, tu es riche. Mais si tu es DCA dans la police, tu es riche. Si tu es DCA dans la police, tu es riche. Et depuis que tu es DCA dans la police, tu es corruption. Tout contrat. C'est où? Tout papier qu'a voulu dire que le général là, c'est où? Tout monde pour payer, c'est où? Ok? Tout bagage qu'a fait, c'est où? En termes d'argent. Là, dans la police là, les officiers en contrat ou pas payé, ils essayent d'être responsables. Les rames, pas j'aime si rien, hein? Tout le monde connaît c'est Ramon qui est responsable parce que Ramon te dit, il n'y a pas de CRM. Mais leur DCA, leur prend engagement ou faire au bail de manger. Ou si un contrat, faut dire directeur général là, nous te prenons responsabilité nous. Pour ça. D'ailleurs, je demande une enquête au niveau de la police sous question ça. Les contrats signés pour bail la police manger, tout n'est qu'on est pour nous bailler ça au millionnaire. Il y a des hommes politiques qui, dans le passé, ont eu un contrat dans le meilleur, un millionnaire ou multimillionnaire. Il y en a qui DCA, cachent ses cailles pour 1 million, 1,5 million, etc. Pendant ce temps, vous avez compris? Et Mario, André Sol, qui t'a fait quoi? Et puis Mario, toujours dans le loyer, et puis Monette, Madame Mario, par l'argent à l'étranger. Donc, ils ont tout emporté, parce que son structure qui n'a pas réglé un lien pour policiers. DCA, son direction centrale qui n'a mafia, quelques-uns, évidemment, qui est ou est-ce que c'est sérieux, leur parler avec eux, collaborer. Ils ont relé sur le monde, ils ont joué le monde, ils ont checké femme, ils ont baillé femme, et n'importe qui parole qu'il y a, et il y en a 10, 15, 20, 30, 40%. Et ils ont filière qui lié à toute structure financière qui gagne dans le gouvernement, de façon à ce que vous fait comme. Ça veut dire, le monde a un contrat pour 1 million de dollars, si vous avez fait 200 000 comme bénéfice, il y a 100 000 pour vous. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas la donner. La police nationale, c'est comme ça fonctionne. Entre temps, si 4 policiers ont pas venir. Entre temps, policiers ont blessé dans la rue, dans le gourmet, on n'a pas fait pour vous. Entre temps, les policiers à l'opération ont mouru, il n'y a pas arrêté les nègres. Quand l'opération est, il n'y a pas de problème, non? L'autre n'y a pas de problème, non? Les ont mouru, c'est particulier qu'il faut faire. Moi, j'exige non seulement une enquête au niveau de l'administration de la police, mais m'exige tout, une autre structure. Ça veut dire, qui ne dépend pas de nos grains de monde. Ça veut dire qu'il y a un comptable qui l'a, il y a un paquet de monde qui l'a, mais il faut regarder le dossier pour signer. Maintenant, l'État ne peut pas prendre des engagements formels. Policiers gardent contre manger, policiers direction centrale manger, nègre soit manger, tout le monde manger pendant un an ou deux ans, qu'on y a, DCA a dit, ou bien la police a dit, direction générale a dit, il va reconnaître manger ça. Marco, il y a 20-30 personnes qui ont souffert dans ça. Il y a des gens qui vendent tout bien. Bah, ça. Pour bah, manger, et puis je dis, ils sont devenus des mondes qui en cavale, des mondes qui en souffrance. Et puis, pendant ce temps, ils reconnaissent ce service-là. Donc, il faut qu'on passe maintenant ce que tu sais pour direction administrative là,
et financière là, capable au service des policiers. Mais toi, quatrièmement, ou pas qu'à prétendre pour acheter matériel pour police là. De qui droit pour dire ou acheter matériel pour police là? Directeur général là, ou état-major Chita, vous regardez qui problème qui gagne. Ok? Et puis qu'on y a là, vous dites mais ça a besoin comme matériel. Ou vous êtes départemental qui pas de machine. Ces derniers mois là, vous avez direction départementale là, ou machine. Le premier ministre va s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas de monde. Ok? Il va me ou quelle direction départementale? Non. Le centre. Le vieux Bogota qui a tombé, qui va bon. Ou quel commissaire dans la ville qui n'a pas gagné. Entre temps, ou pas de machine derrière, ou pas de chef, il n'y a pas utile rien. Il est entré dans le magasin, ou pas être pour eux. Quatre machines paraître, et puis chaque nègre a une âme de gagne, et puis chef là rentré. Et puis pendant ce temps, au cap haïtien, il y a un problème matériel. Dans le centre, problème matériel. Ou n'a qui est au rival, cap baye, résultat, même si vous décidez non, il y a un problème machine. Faut que vous adressez problème ça. C'est en fonction de besoin. Police là pour acheter. En tout cas, je vais formuler une demande en direct pour ceux qui m'écoutent et ceux qui font partie du haut état-major de la police nationale. Mais n'est-ce pas bien écoute langue? Parce que Rameau a quelque peu échoué, entre guillemets. C'est suite à un mauvais comportement de son chef de cabinet. Un intellectuel, hein? J'ai entendu pas mal de policiers dire induit Rameau en erreur, le comportement qu'il a gagné en donnant de mauvais conseils. Un intellectuel, monsieur écrit un livre. Monsieur écrit un livre. Ok, m'a cité le monsieur un livre tellement dit monsieur pas de correct. Il avait dit monsieur c'est gros chef, de bon on est des vertige. Et puis monsieur et Dieu parce que il y a des bagailles parce que l'administration des continuités. Vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas exécuter les engagements ou respecter les engagements pris par n'est là avant là. C'est l'État ici, c'est pas vous-même. Donc tout pays, tout le monde qui prend engagement pour souffrir, peut-être vous-même, ce n'est pas correct. Donc, on veut, on forme et on demande d'affaires. On structure que les SEBIM. Créé, je crois, sur pendant la gestion de Mario Andesol, de la police nationale. Il est transféré d'Orfeuille là-dedans. Et tout le monde sait ça d'Orfeuille qu'a fait. Comme ancien directeur départemental de l'Artibonite. L'Artibonite que tout le monde connaît. Elle dit, c'est un homme qui va dans la partisanerie. C'est un franc technicien, administrateur, bon policier. Évidemment, bon, il était marqué Mangel, non rumeur. Évidemment, il y a pile monde qui connaît ces mentis. Il y a pile monde qui compte salvo, et puis d'en faire toujours exister. Mais je dis à M. Ansebine. Mais écoutez, si Léon et le nouveau DCA, pas dégager encore pour acheter une motocyclette, bon, ça c'est bien, n'a pas dit. Ça, qui se si va gagner? Mais pas oublier, t'es une moto. C'est une brigade d'intervention motorisée. Mm-hmm. C'est moto, ça veut dire qu'il y a un support. Dans le quartier, mais il faut oublier monsieur moto. Donc, si la police n'est pas capable, jouer Nekounia, je fais appel au Premier ministre. Ah non, comme nous faisons, nous me connaissons même, mais pas la Premier ministre, il faut jouer une moto. Si pas jouer une moto, le Premier ministre, il faut jouer pas la président pour pas le moto. Et si le président, il ne pas la président, moi-même, je prends engagement, je vais parler avec le secteur privé pour oublier monsieur au moins 50 motos. Parce que pourquoi vous faites dans le pays? Si vous avez ces bimes dans 50 poteaux pour protéger, parce que vous n'avez pas de moto, mais là vous prenez, vous battez avec monsieur, et puis vous demandez 1 million de dollars, vous dites non, et 500 000, vous battez. Et ces bimes, après vite en pile qui d'après, c'est moins plus rapide pour déplacer. Et puis quand on a une structure comme le SWAT, SWAT-SIN, il faut un autre traitement pour ces gens.
il faut un autre traitement. Ça veut dire, nos pays sérieux, qui est président, premier ministre, conseil supérieur de la police nationale, ou va faire une exploitation, et puis pour un problème pour vous appuyer sur l'école. De quoi on parle? Mais qui sont venus vivre là? On voit un gars sous front pour la bataille, on voit rien, on appelle le SWAT, mobiliser autre. Mais les policiers, ils sont d'abord des policiers qui gagnent, on avait dit, un exercice particulier, au fait. Mais mes amis, il n'y a pas de problème l'école, il n'y a pas de problème caille. Comment vous voulez l'efficace? Donc, c'est la situation globale de la police nationale. Hervé Julien, retirez Hervé. Bon, pour le citer, c'est un bas, on va se dire, on va se dire, là. Ça pour monsieur Téfé, là, Hervé. Hervé, il y a une sanction. Donc, il y a également une approche cachée dans ce changement, ça vous fait. Il y a des gens qui ont été identifiés comme des complices de ces policiers qui sont en train de porter leurs revendications dans les rues. Ils ont été, ils ont des rapports étroits avec ces policiers. Donc, comme je te dis, tu vas suivre mon regard et tu comprendras. J'ai parlé à quelqu'un. Marco, je me saisis. Je suis là au monde que tout le monde connaît là. Laisse-moi, monsieur, parler de deux monde qui est dans la police là. Je me saisis. J'avais un témoin. Fédler. Qui a fait lumière, monsieur. Je me saisis. Le mois, comme si sensibilité et relation gain. Donc, le problème de la police, c'est un problème qui est un problème très grave à l'intérieur de la police nationale. Problème très grave. C'est mon problème côté Léo Charles pour aller résoudre tout de suite. Mais changement, ça va tout faire en perspective électorale. C'est-à-dire, calmer la rue là, et puis aider à organiser l'élection. Vous pouvez changer le directeur de votre moto. Vous pouvez changer le commissaire, vous pouvez changer, etc. Mais, comme dit tout le monde, équipe qui monte là, c'est une équipe comme si la main de fer. Et bien, qui calme, n'est qui douce, ben, comme ça. Et grand pile bagaille qui va le passer dans le pays. Avec l'équipe de l'extérieur. Donc, je ne sais pas ce qui va le passer. Mais, futur là, pays ça, l'avenir pays ça, n'est pas facile. Mais moi, Gary Pepochoa, où je suis venu me parler de nous, nous priorisons l'entente et le concours. Je suis en train de briser. Et je ne peux pas accepter que vous ne faites aucun policier du tort. Je m'a dénoncé ça. Mais en même temps, si nous avons possibilité pour Chita et je vais entendre un compromis, il faut le faire. Parce que d'un côté, il y a un groupe de policiers. Hein, qui a fait mon courrier et qui peut. Et de l'autre côté, il y a d'autres policiers qui veulent rétablir la paix. Mais son seule institution gagne. Division gagne institution, pas faciliter la paix et l'entente. Il faut d'abord chercher l'entente et puis le ça, ou qu'à résoudre le problème insécurité. Parce que l'insécurité ne peut pas venir de la police elle-même. Ce n'est pas grave, parce que c'est l'institution qui doit protéger et servir. J'encourage donc les policiers à joindre un modus operandi, un modus vivendi avec les autorités qui fait établir là de façon à ce que nous avons une solution appropriée pour éviter une spirale de violence que n'importe qui a payé conséquences et qui n'est pas bon pour le pays d'Haïti. C'est ça que je veux parler à tous les policiers. C'est mon message aujourd'hui. Je demande à toutes les autorités pour prendre cas. Policiers, pour respecter ce droit-là, pour avoir des possibilités. Mais tout policier, si on ne peut pas quantité ça a besoin, entendre avec eux, bah, le nécessaire, et puis de manière graduelle, dans un protocole d'accord, pour avancer, parce que sans accord, il n'y aura pas de pays. Et sans pays, nous ne pouvons pas attendre GPVC, Marco avec Val. Et si nous ne pouvons pas attendre Marco, GPVC avec Val, qu'on est vraiment nous foutus.